commandement. Aujourd'hui c'est bien, voilà, parce qu'il va voir un leader, et l'équipe du leader il va contrôler, et demain ça commence pour les teams qui finissent vraiment la course. Et on est venu ici pour faire un bon Tour de France jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à Paris. On a une très bonne équipe pour le faire, et notamment avec Nasser Bouhanni. C'est vrai qu'après la suite du championnat de France, je pensais être forfait sur le Tour. Après le lendemain, j'ai passé les radios, ça m'a beaucoup rassuré. Donc maintenant, je suis confiant pour la suite. Je sens qu'il y a eu une grosse évolution au fur et à mesure des jours. Donc maintenant, ça y est, on est parti et je suis très positif dans ma tête. Je ne suis pas le genre de personne à baisser les bras quand il m'arrive un problème. Au contraire, j'essaie de revenir. C'est même limite une source de motivation quand ça ne va pas de se relever. Le début d'année, c'est vrai que c'était pas comme on espérait, mais à la fin, on a réussi à trouver des bons automatismes et de trouver la bonne dynamique. Après 4 années passées au sein de l'équipe FDJ, il a fallu que je trouve les automatismes au sein de l'équipe Cofidis. Que ce soit avec mes coéquipiers ou l'encadrement, c'était un univers nouveau pour moi. Et c'est très important quand une équipe vous fait confiance à 100%. Même quand dans les moments où ça va pas, ils ont toujours su me faire confiance. Et pour moi, c'est très important. Ouais.